C'est l'érogation. Nous sommes le mardi d'érogation. Les trois jours avant l'ascension, lundi, mardi, mercredi avant l'ascension, sont les rogations. Les rogations, c'est de prier. C'est ce que veut dire le terme en latin, rogare. Nous prions le ciel qu'il nous soit clément. Qu'il nous soit clément en envoyant de la pluie pour les moissons, en envoyant le temps nécessaire pour que pousse ce qui va nous nourrir, mais aussi pour qu'il nous envoie du haut du ciel sa grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous avons besoin que viennent sur nous ses bienfaits pour vivre. Voilà le sens des rogations. C'est un très simplement que nous allons les célébrer en invoquant les saints du ciel, tous nos intercesseurs, afin que Dieu prenne pitié de son peuple. Et comme c'est une bénédiction que nous invoquons, nous allons faire le tour de l'église, jusque sur le parvis, où nous allons bénir symboliquement la paroisse sur le parvis de l'église, et revenir ici. Demain, les rogations seront célébrées à 8h30 du matin, et suivies de la messe, ce qui terminera le cycle de nos prières. Ora pro nobis, sancte tua, ora pro nobis.
Spirito fornication, libera nos domine. A fulgure et tempestate, libera nos domine. A fatiro terremoti, libera nos domine. A peste fami et illu, libera nos domine. A morte perpetua, libera nos domine. Et mysterium sancte incarnationis tui, libera nos domine. Per adventum tuum, libera nos domine. Per la vita
Oremus pro pontifice nostro Francesco,
tribui digniare Domini, omnibus nobis bona facientibus propter nomen tuum, vitam aeternam, amen. Oremus pro fidelibus defunti, requiem aeternam donae eis Domine, et lux perpetua nocera tegi, requiescam in pace. Amen. Pro fratribus nostris absentibus, salve fac servos tuos, Deus meus sperante sinte, miteis Domine auxilium de sanctum, et decion tue reo, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ornus. Dieu, dont le propre est d'être toujours miséricordieux et indulgent, accueillez notre prière pour que nous et tous vos serviteurs, qu'étreint la chaîne des péchés, soyons grâce à votre bonté compatissante traités avec clémence. Daignez, Seigneur, exaucer nos supplications, pardonnez-nous les fautes dont nous nous faisons l'aveu, et dans votre bonté, accordez-nous pareillement l'indulgence de la paix. Montrez-nous, Seigneur, très clément, votre ineffable miséricorde, daignant à la fois et nous délivrer de tous nos péchés et nous affranchir des peines qui nous ont méritées. Ô Dieu, vous que la faute offense et que la pénitence apaise, écoutez favorablement les prières de votre peuple suppliant et détournez les fléaux de votre colère que nous méritons pour nos péchés. Ô Dieu tout-puissant et éternel, ayez pitié de votre serviteur, votre pontife François, et conduisez-le suivant votre clémence dans la voie du salut éternel, afin que par votre grâce il désire ce qui vous plaît et l'accomplisse de toutes ses forces. Ô Dieu, source des saints désirs, des bons desseins et des actions justes, accordez à vos serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à vos commandements et que, délivrés de la crainte des ennemis, nous ayons des jours tranquilles sous votre protection. Brûlez, Seigneur, nos reins et nos cœurs du feu de l'Esprit Saint, afin que dans un cœur chaste nous nous servions et que par un cœur pur nous vous plaisions. Ô Dieu, Créateur et Rédempteur de tous les fidèles, accordez aux âmes de vos serviteurs et de vos servantes la rémission de tous leurs péchés, afin que nos ferventes prières leur obtiennent l'indulgence qu'elles ont toujours souhaitée. Que votre inspiration, nous vous en prions, Seigneur, prévienne nos actions et que votre secours les accompagne. Chacune de nos prières et de nos œuvres aura ainsi toujours en vous son commencement et sa fin. Dieu tout-puissant et éternel, souverain maître et vivant, des vivants et des morts, qui faites miséricorde à tous ceux que vous savez devoir être vôtres par la foi et les œuvres, nous vous en supplions, accordez à ceux pour qui nous avons l'intention de prier, soit que la vie présente les retienne encore dans la chair, soit que dépouillés de leur corps, ils soient déjà entrés dans l'autre vie, accordez-leur dans votre clémente bonté, par l'intercession de tous vos saints, le pardon de tous leurs péchés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui est en règne, vit et règne avec vous et dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, exaudiat nos omnipotens et misericordes Dominus. Amen. Et fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.